Juliette, niveau série 3. Marie-France, au milieu de la série 2. Alors, Brigitte, série 2. Carole, série 3. Leslie, série 3. Françoise, milieu de série 3. Lisa, série 2. Blandine, fin de série 3. Nathalie, série 2. Denis, série 6. Alors non, moi je suis passionnée par le piano. La méthode Colin m'a permis de le découvrir et de pouvoir enfin en faire. La méthode sur internet, donc moi j'ai été séduite de suite parce qu'en fait je voulais apprendre rapidement des morceaux jolis. Donc les morceaux sont magnifiques et dès la première semaine en fait on joue quelque chose. Ce qui m'a convaincue c'est la méthode par CD qui m'a semblé très originale. Le stage m'a montré que sur le plan technique on pouvait progresser, qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire. Et là, du coup, j'ai adopté la méthode par ce biais-là. L'aspect qui m'a vraiment intéressée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence pédagogique. Même si j'ai des difficultés, je persévère parce que j'aime ça. On voit du disco, de variété, du blues, du swing, du un peu, c'est très varié, donc ça me plaît. Je suis en milieu de série 3, ça devient un petit peu plus difficile. Les mélodies sont absolument superbes et c'est très, très, très motivant. Les partitions ont été faciles d'apprentissage dans le sens où j'ai jamais fait de solfège de ma vie et pour autant, au bout d'une semaine, j'ai réussi à déchiffrer une partition, à la jouer et à ce que ce soit audible et agréable. Une progression constante qui fait qu'on est tout le temps motivé, on a tout le temps envie. Donc, la méthode est parfaite pour les gens qui travaillent, les gens qui sont occupés. C'est devenu quelque chose de nécessaire. C'était une révélation, j'ai enfin pu faire mon rêve dans